بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons finaliser la leçon de l'imparfait. اليوم سوف نتم درس الماضي الناقص حيث سنخصص هذه الحصة لتذكير حول الدرس ثم التمارين. لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي خاصة للمشاهدين الجدد والضغط على زر الجرس، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. رأينا في الدرس الماضي أن لامبارفي في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية تنتهي بنفس الخواتيم. À l'imparfait, tous les verbes du premier groupe et du deuxième groupe ont les mêmes terminaisons. Minisbatil khawatim, alors les terminaisons de l'imparfait, ce sont je, à la fin on trouve AIS, Damir je, Najidou, AIS, fil akhir. Tu, AIS, il ou bien elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il ou bien elle, AIENT. وكمثال لتصريف الافعال لدينا فعل écouter هو فعل المجموعه الاولى nous avons écouté ici c'est un verbe du premier groupe le verbe finir c'est un verbe du deuxième groupe finir هو فعل المجموعه الثانيه بالنسبه للمجموعه الاولى تنتهي جميع افعالها ب er ما عدا aller بالنسبه لافعال المجموعه الثانيه تنتهي ب er اذا لتصريف écouter في الماضي الناقص j'écoutais كنت أسمع تي إكوتي كنت تسمع إل إكوتي كان يسمع إل إكوتي غالي بيان لترميزون دو جو سي AIS تي AIS إل AIT إل AIT nous écoutions I O N S vous écoutiez I E Z ils écoutaient A I N T elles écoutaient A I N T la même chose pour le deuxième groupe le chef d'isbelun Vatania نفس الخواتيم je finissais AIS tu finissais AIS il finissait AIT elle finissait AIT nous finissions IONS IONS vous finissiez il finissait il finissait إذن بالنسبة لجميع أفعال المجموعة الثانية تتشابه في الخواتيم كذلك نفس أفعال المجموعة الأولى أن ننتقل إلى التمارين لدينا غلي اربط كل ضمير بالفعل المناسب لكي نعرف الفعل الذي سنربطه بالضمير ماذا سنفعل سنبحث عن الخواتيم قلنا أن جو خاتمتها تنتهي ب AIS إذا نبحث هنا عن الفعل الذي ينتهي ب AIS nous avons vu que je si on conjugue l'imparfait on trouve AIS comme terminaison à la fin Alors, jouer n'est pas AIS, AIT, ici, grossissez, ici. Et then, on a regardé, ou grossissez. Nous avons deux verbes qui se terminent par AIS. Le dernier fait, l'un est un bi, AIS. Soit un, قلت, je regardais, ça fait. Ou un, قلت, je grossissez, ça fait. Voilà, il y a كذلك un natu, كذلك تنتهي بي AIS. Et then, بالتالي فاتي, عشرة ستكون غروسي سي ويجوز أن نقلبهم أي أن نقول تي غوغاردي و جو غروسي سي لأن لديهما نفس الخواتيم ليزون لا ميم تيرمينيزون دون جو إي تي بالنسبة ل إل تنتهي ب أ إي تي لا تيرمينيزون د إل سي أ إي تي ألوغ فوسي بارلي إل بارلي بيان نو لا تيرمينيزون دو نو سي إي أو إن إس ألوغ Voici I O N S. Nous rougissions. Puis nous avons vous. La terminaison de vous, c'est I E Z. Alors vous choisissiez. Kuntum tahtaruna. Vous choisissiez. Maintenant on passe à notre exercice. Nataqid la tamrin mwali. Watlumuna complète avec le pronom personnel qui convient. Watlumuna an nodifa dhamir al munasib. Dhamir shakhsi. Alors, nous avons laver. Regardez bien. A-I-S. Laver. Laver. A-I-S, c'est la terminaison de je ou bien de tu. Idan. A-I-S, y'a khatimat. Je ou tu. Idan. Nous, ça n'a khtarouna je. Ça n'a khoulou je laver.
Ici, nous avons réfléchissant. I-O-N-S. C'est le terminaison de quel pronom? C'est la terminaison de nous. Porter. A-I-E-N-T. C'est la terminaison de quel pronom? C'est la terminaison de la troisième personne du pluriel. Ça veut dire il avec S ou bien elle avec S. Idem, on a, donc on a, on a choisi il ou bien elle. On a choisi il. Tout le monde a choisi un majma ou un affaire. Tourner, A-I-T. A-I-T, c'est la terminaison de quel pronom? C'est la terminaison de il ou bien elle. Idem, on a choisi, on a choisi il ou bien elle. لديه منس الخاتمة parlier parlier nous avons I-E-Z alors c'est vous vous parliez rougissez A-I-S لدينا A-I-S toujours d'où fait dans mes règnes لدينا je vois-tu لدينا سبق هنا أن استعملنا je لدينا سبق هنا استعمله tu هكذا انجزنا التمرين maintenant on va passer à notre exercice écris la terminaison de ces verbes à l'imparfait اذا هنا عكس التمرين الماضي المطلوب هنا كتابة ماذا الخاتمة المطلوب هنا هنا كتابة الخاتمة لدينا الضمير ثم لدينا لو راديكال اذا ماذا ينقصنا الخاتمة إذن لدينا هنا je chante c'est le verbe chanter à l'imparfait ماذا سنقول ما هي خاتمة ضمير je quelle est la terminaison du pronom je c'est A-I-S alors on va dire je chante A-I-S puis nous avons nous nous écoutions quelle est la terminaison de nous nous écoutions alors la terminaison de nous c'est I-O-S N-S, nous écoutions. Tu marches, tu. La terminaison de tu, c'est A-I-S. Dans le khatimat d'amir tu, il y a A-I-S. Nous avons vous dansez. Kuntum tarqusuna. Vous dansez. Alors, la terminaison de vous, c'est I-E-Z. Vous dansiez. Vos dansiez bien. Il travaille. Il avec S. Alors, la terminaison de il avec S. À l'imparfait, c'est A-I-E-N-T. Alors, on va dire, il travaillait. Il travaillait. Elle dessinait. Elle dessinait. Il y en a qu'un net dans ce mot. Et donc, khatimat elle, il y a A-I. T. On dit elle dessinait. Très bien. Alors, je répète, je chantais, nous écoutions, tu marchais, vous dansiez, il travaillait, elle dessinait. Maintenant, on passe à notre exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Maintenant, on a comme avec un strif FL, موجود بين قوسين entre parenthèses à l'imparfait. Puis, الماضي الناقص ne choisir les meilleurs fruits nous نحن choisir نختار les meilleurs fruits أحسن الفواكه alors nous choisir قلنا أن خاتمة nous هي I-O-N-S إذن سنقول nous choisissions إذن choisir c'est un verbe de deuxième groupe alors nous dit ne choisissions Nous choisissions. Les filles réfléchirent à leur exposé. Et dans réfléchir, c'est un verbe de deuxième groupe. Les filles, on peut remplacer par elle avec S. Alors, la terminaison de elle avec S, il y a A-I-E-N-T. Alors, on va dire, les filles réfléchissaient à la fin, A-I-E-N-T. Réfléchissez. Et donc, tu, anta, applaudir. Ça n'a pas le kunta, tout ça fait quoi, là? Al-muha, rigide. Et donc, applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je vais choisir ou réfléchir.
tu, la terminaison dit tu ici A-I-S, alors on va dire tu applaudissais. Tu applaudissais. Bien. Le cerf, le cerf bondit dans la forêt. Le cerf, verbe bondir, c'est un verbe de deuxième groupe, on va dire bondissait, parce que le cerf, on peut l'emplacer par il. Et dans le cerf, on connaît avec le bidamir, il, l'a dit, wa. On a bondir, et dans ce réfihi, fi madin naqis, yuzbiha, kaner fiz, sanakolo, bondissait. La terminaison de il, y a a-i-t, bondissait. Très bien. Bondissait. Vous écoutez la musique. Kunta tastami'u ila al-musiqa. Idan sanaqul vous écoutez. Et dans la terminaison de vous, il y a i-e-z. Sanaqul vous écoutiez. Vous écoutiez. Écoutez, c'est un verbe de premier groupe. Vous écoutiez. I-e-z. Bien. Ils finirent ses devoirs. Idan kanu yutimuna wajibatihim. Idan finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors on va dire il finissait a i e n t. La terminaison de il y a a i e n t. Idan fil akhir tu, la terminaison de tu à l'imparfait c'est a i s. Le verbe aimer. Tu aimais le sport. Kunta tuhibbu riyada. سنقول tu aimais a i S. Then هكذا انهينا التمرين الى هنا قد انتهى درسي لهذا اليوم امل ان يكون قد نال اعجابكم وان كان كذلك لا تنسوا مشاركته مع اصدقائكم ولا تنسوا كذلك الاشتراك في قناتي وخاصه بالنسبه للمشاهدين الجدد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته